Désolé la famille, likez la vidéo. Donc si vous pensez que le reste des Guinéens, là, nous sommes des maudits, le 20, vous avez envoyé les enfants, les jeunes militaires en formation pour venir à Conakry. Il y a la manifestation, il y a le jugement de Dr Kassori. Vous allez les forcer, les faire comparaître forcément. Allons-y. Et dans votre plan là, ce que vous avez prévu là, que vous allez, même la maison du docteur Kassori, là, vous allez retirer. Bala l'eau juste à côté. Si Bala a un diplôme que docteur Kassori, si Bala a occupé des postes plus importants que docteur Kassori, ceux-ci là, ils ne sont pas bénis, hein, ils ne doivent pas construire dans le pays. Eux, ils sont en train de construire. Maintenant, nos cadres là, vous les avez humiliés. Vous avez menti sur eux. Ali Touré est sorti ici, se flanquer devant le peuple de Guinée, Ali Touré, pour dire docteur Kassori a volé 46 millions de dollars devant le peuple de Guinée, devant les médias. Si vous voyez aujourd'hui, les journalistes, ils en ont marre de ces bandits à cause de vos mensonges. Vous avez dit qu'il est propriétaire d'une banque ici aux États-Unis. Vous avez dit qu'il est propriétaire de Sheraton, qu'il est actionnaire, je ne sais où. Si vous pensez que on va rester là, croisez les bras, vous allez continuer à humilier nos élites. Wallahi, vous avez tapé poteau. Wallahi, vous avez tapé poteau. Ça, on vous le dit. Vous avez tapé poteau. Ça ne se passera pas comme ça. On ne va pas s'asseoir, vous regarder, continuer à humilier nos élites. Non. Ça, on vous le dit. Ça ne se passera pas comme ça. On va prendre un naki. Retirez. Retirez tous leurs biens. Vous avez pris leur passeport. Vous les avez mis en prison. Et tout ce qui reste maintenant, là, vous voulez les tuer, tuez-les. Autant bête dans Kanana Mégué Forain. Des voleurs, ils sont en train de voler à longueur de journée. Regardez l'affaire de Sonapi. Vous pensez que les gens sont bêtes? Il y avait 50 millions de dollars pour le nouveau dépôt. Vous ne parlez pas de 50 millions, là. Les 50 millions qui étaient dans les caisses là-bas. Parlez de 50 millions là. Que non, ils veulent faire des dépôts, des je ne sais quoi. Mais pourquoi vous ne parlez pas de 50 millions de dollars? Pourquoi vous ne parlez pas de 50 millions de dollars que le président Fakonde avait mis de côté? 50 millions de dollars. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes. Même le contrat de gaz là, qu'ils sont en train de dire, le vaurien premier ministre, qu'on n'a que 300 millions de dollars, les Américains. Elle, la dame qui était là-bas, elle était ambassadrice des États-Unis là-bas. Mais vous pensez que les Guinéens... Ça dit, vous vous adressez à des bornés ou quoi? Des trucs qui ont été signés par le président Fakonde. Vous allez voir s'ils vont donner 5 francs. Ça ne va pas chez vous? Ça ne va pas chez vous? C'est grâce au gouvernement de docteur... Ça dit, du président Fakonde. Grâce au docteur Kassori, là. Vous allez venir qu'on a des gré ou de force dans leur plan. Oui, il faut les condamner, il faut les salir, après qu'ils vont les gracier. Nous, on s'en fout de ça. Si vous voulez la condamner les 1000 ans, vous pensez que vous allez rester? Et moi, je suis d'autant convaincu que, ouais, vous allez mal finir. Mamadou Doumbouya, t'es bien que tu es en train de construire. Si la France veut, là, elle n'a qu'à te soutenir comme ils veulent. Mais Mamadou, tu vas dégager. Tu n'es qu'un bandit. Hein? Aujourd'hui, à part la misère, qu'est-ce que vous pouvez donner? Donc, restez vigilants. Les balas, ils ont pris des jeunes militaires comme avec le procès de 28 septembre. Ils ont expliqué dans le cas de Kaléa. Ils sont en train de faire pareil. 4 pick-up. Ils prennent des enfants, ils les font descendre à Conakry. Ils savent que non, ça va chauffer ce jour-là. Mais je vous dis, si vous voulez amener l'armée française, mais le vin, ça va se savoir. Si vous voulez encore distribuer de l'argent, mais vous allez connaître la colère du peuple ce jour-là. Des bonariens, des vauriens, 14 000 personnes à la fonction publique, dans les mines aujourd'hui. Tous les projets sont aux arrêts. Vous allez venir vous flanquer ici
procès des anciens dignitaires. Moi, je vous ai dit dès le départ, c'est ça leur seul argument, se servir de la justice, se faire passer comme si eux, ils sont propres, des vauriens. On vous dit de présenter vos biens. Vous avez présenté, bande de voleurs que vous êtes. Bande de voleurs que vous êtes. Mamadi Doumbouya a combien de bâtiments aujourd'hui? Mamadi Doumbouya a combien de bâtiments? Ce narco, il avait quelle entreprise en Guinée? Ce bandit de Mamadi Doumbouya, il avait quoi? Ses amis aujourd'hui, ils sont en train de construire partout. Vous pensez que le reste des Guinéens, là, nous sommes dans Kadina, Namugera, Iname, Agnès, Anafik, tous ces programmes-là. Mamri, c'est le docteur Kassouri. Ne kharangé, chercher des contrats, la route, tous ces trucs-là. Vous êtes en train d'humilier ces gens-là. Ah non, le reste de Guinée, dans Kanana, Moutanfora, on va se mettre derrière Mamadi Doumbouya, un bandit, un narco. Prenez, retirez leur maison. Vous pensez que vous allez rester éternel? En Guinée, il y a eu feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Feu général Lansana Conté, paix à son âme. Ils sont passés. Dadi, c'est passé. Général Sékouba Konaté est passé. Le président Alpha Condé, non? Si le bandit pense que lui, il est éternel, il va mourir au pouvoir, allons-y seulement. Si vous pensez que oui, votre plan B, vous allez détruire les grands partis et vous allez imposer. C'est qu'il n'y aura pas de paix dans ce pays. Regardez-moi des bandits. Vous allez venir vous imposer sur les Guinéens. On dirait que nous sommes des enfants. Vous allez imposer votre système. Allons-y. Wallah, ça va mal terminer. Et Mamadi n'a pas dit le jour du coup d'État que lui n'est pas venu pour servir un individu. Si le reste de l'armée, là, si ceux-ci-là sont maudits, ils vont te servir aussi. Tu es en train de détruire le pays. La dette aujourd'hui, 34 000 milliards. 34 000 milliards. Allez-y demander les gens au trésor. Allez-y demander des vauriens à part faire sortir de l'argent. Le vin, c'est la mobilisation. On va continuer encore. Ils ne feront qu'endetter. Si vous voyez que leurs ministres se promènent à travers le monde, il n'y a plus d'argent. Le président va qu'on a organisé des élections avec des fonds propres. Hein? Guichet unique, c'est lui. Quand on veut lutter contre la corruption, on commence par ça. Les fonctionnaires étaient payés à partir du 23, 24, 25, bande de vauriens que vous êtes. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? Même son appui que vous parlez là. Il y avait combien dans les caisses? Il y avait combien dans les caisses là-bas? 50 millions pour le nouveau dépôt. On dit d'enlever en ville pour aller à Fourcaria, pour aménager à Fourcaria. Il y avait déjà 50 millions de dollars des vauriens. Vous avez bouffé tout cet argent. Vous allez venir nous parler que, avec des fonds propres du gouvernement. Mais parlez des 50 millions de dollars que vous avez trouvés dans les caisses de Sonapi. Qu'on parle de ça. Le président Fakonde pouvait prendre les 50 millions là pour faire autre chose. C'était pour le nouveau dépôt. Mais vous ne parlez pas de ça. Et le contrat de gaz avec les Américains. Ça, c'est un contrat déjà signé depuis le temps du président Fakonde. La dame qui était en train de signer les documents, elle était ambassadrice en Guinée. Parlez de ça. Bande de vauriens. Vous pensez que les Américains vont venir signer un contrat avec des narcos? Ça, c'était des contrats déjà. Tout était déjà réglé. Qu'au Gomu. Gomu est venu chercher quoi? Gomu a signé quoi aux États-Unis? Il est venu ici, un vrai villageois. Vous avez vu Gomu en train de signer des partenariats ici? Et puis, des petits communicants. Que non, ceux qui ont dit, Gomu, il ne connaît rien. Et regardez, il a signé un accord de 300. Ah, non, mais. Ça dit, autant la Guinée que Tongo ma Dougoulanana, quoi. Autant la Dougoulara, la dame qui était assise là, elle était ambassadrice. Nanou Moura Kadre et Doromane. Grâce au gouvernement du président Alpha Condé. Au contraire, Nere Manaki. Mais vous allez voir, s'ils si vont donner 5 francs. Et Kobri Kresomane Oira. Autant ben Dougoulanana Megeira. Vos ministres là sont sortis là. Montrez-moi un contrat. Montrez-moi un contrat qu'ils ont signé. Hein? La Banque centrale. Vraiment un déficit de 34 000 milliards aujourd'hui. La Banque centrale. 34 000 milliards. C'est-à-dire, vous prenez même le temps de Lansana Conté. Vous associez au temps des Dadis, au temps du président Fakonde. Nous n'avons jamais eu de perte. Je vous ai dit comment les bandits là, ils sont en train de s'enrichir. C'est incroyable. Voici des gens comme les Djouldé.
garage du gouvernement. Depuis le temps de Sekouba Konaté, ils ont monté des factures envoyées pour payer à la Banque centrale. Ils envoient des factures que l'État doit à ces gens-là. 100 milliards, 200 milliards, ces factures, c'est-à-dire les gens comme les Amara ou bien des Djiba, ils mettent une influence sur la Banque centrale. On paye ces reçus-là qui ne doivent même pas être payés. Si c'est 50 milliards, si c'est Amara, on lui donne 15 milliards. Voici comment les gens-là sont en train de s'enrichir sur le dos de l'État pour dire oui, c'est pourquoi ils ont endetté. Avant le coup d'État, le président Fakonde était en train d'auditer tous les départements. Presque il y a des ministères qui n'avaient pas de budget parce que le président Fakonde voulait voir clair dedans. Si vous, de vauriens, vous venez, si ce n'est pas rénovation, ils sortent l'argent. Vous pensez que les gens sont bêtes, les Guinéens sont bêtes? C'est pourquoi les bandits là ne veulent pas partir. 34 000 milliards, je dis bien, 34 000 milliards de déficit. 34 000 milliards, c'est incroyable. Si vous voyez qu'ils n'arrivent pas à recruter, il n'y a pas d'argent. Il n'y en a pas. Vous pensez que c'est la France qui va les donner? La France ne donnera rien à la Guinée. La France ne donnera rien à la Guinée, même avec Simandou. Ils ne donneront rien à la Guinée. Aujourd'hui, le bandit n'arrive plus à dormir. Vous pensez que c'était de la magie? Le président Fakonde, c'était un don. Il avait les hommes. Il était capable. Mais vous, des vauriens, vous pensez que c'est être gros, grand bête? 34 000 milliards. On va rembourser ça quand maintenant? Le président est venu. La Guinée est endettée. Il a tout fait. Ils ont annulé ces dettes-là. Vous, vous venez en un temps record, une année et demie seulement. Tu entends mourir que non, les bailleurs de fonds, les élections, de financer. Tu n'as pas menti aux Guinéens que tu as mis 400, combien de milliards, 400 milliards. C'est tellement que, ça dit, tellement c'est des, pour ne pas dire des blancs-crocs, ils viennent mentir aux Guinéens que non, et son département, ils ont mis 400, comme si eux, ils avaient un compte à part qui n'est pas la Banque centrale pour dire qu'ils ont mis 400 millions. Et 400 milliards de francs guinéens pour les élections. Le président Fakonde a organisé les élections avec des fonds propres. Vous allez venir jouer avec nous. Vous allez venir jouer avec l'esprit des Guinéens. Qu'on va continuer à croire à votre démagogie, vos mensonges. Hein? En tout cas, dit Mamad Kaba, si ce n'est pas vraiment de la démagogie, comment on peut dire que ces gens-là, vous venez mettre... Vous mettez 14 000 personnes. Il y avait trois fichiers à la fonction publique. Les gens étaient en train de travailler là-dessus. C'était presque fini. Les bandits viennent sans chercher à vérifier. Ils font des soustractions. On dit telle personne doit aller à la retraite. 14 000 personnes dans un pays. Et maintenant, ils viennent dire non, maintenant, on aura un fichier seulement. Et c'est ce que le président... Enfin, tous ces régimes qui sont passés, il y a eu des fichiers. Le travail était déjà fini. Comment le président Fakonde, son gouvernement s'arrangeait à payer tous ses fonctionnaires à partir du 23, 24, 25? Quel est le travailleur qui n'aimait pas ça? Il y a d'autres qui attendent jusque le 10, 15 pour être payés. Vous pensez que les gens sont bêtes? Si c'est les futilités... Prendre un avion de 49 places pour aller chercher quoi? Ouais, voilà, Mamadi Doumbouya, il est allé chercher. Que ça soit lui ou pas lui, d'autres allaient le faire. Il pleut déjà, qu'est-ce que vous allez arroser? Il pleuvait déjà, qu'est-ce que vous allez arroser? C'est trouver des milliards pour les barrages ou bien c'est prendre un avion qui n'est même pas acheté, qui n'est ni un don, qui n'est ni un prêt, juste qui sert à transporter les bagages des narcos. On vient pour saper cela. Oh, vous avez vu l'importance de notre avion? Avion qui n'a pas été acheté, approuvé par le CNT, ni par le ministère du budget lui-même qui nous a dit que ce n'est ni un prêt, ni un don. Ah non, mais le Guinéen est bizarre. C'est-à-dire que des bandits sont en train de faire de la démagogie. Nous donner qu'à l'État soit petit. Si le président Fakonde voulait doter la Guinée de 15 avions, de lignes, de 100 millions, il pouvait le faire. Mais nos priorités, c'était quoi? L'électricité. Et même ça, aujourd'hui, regardez. Le retard.
de soit petit aujourd'hui. Hein? Parce qu'à cause des bandits, il n'y a plus de confiance. Les gens ont peur de donner de l'argent à ces bandits. Ce sont des narcos. Et un pays où on saisit 3 tonnes de cocaïne, c'est que ce pays-là n'est pas devenu plaque tournante. 3 tonnes de cocaïne, c'était devant tout le monde ici. Et c'est pas Charles Rouette qu'on a vu qu'il a brûlé ça, en plein centre-ville. Des menteurs, des voleurs, qu'eux, ils ont brûlé 3 tonnes de cocaïne d'une valeur de plus de 400 millions de dollars. Alors, Dougoulanana Megaira et Rawali, Mamadi Doumbouya, Rawali préféré. Son clan, les Ahmed Durak et Rawali préféré. C'est eux qui vont prendre la valeur de 400 millions, 3 tonnes de, coca, 3 tonnes de cocaïne et brûler ça. On a les feux au Yétera. Américain est à mon presseur. Américain est à mon presseur. Et n'a pas le droit de bop. C'est pourquoi j'ai dit, on aura la bêtise. On a narco. Off Amérique. Vous partez que dans les pays arabes. Off Amérique. Où il était trompé, off Ali. Trompez-vous, vous allez venir ici. Des bandits de grand chemin comme ça. En tout cas, la mobilisation, c'est le vin. Je vous dis, la peur est dans leur ventre. Ils sont en train d'aller prendre les jeunes militaires en formation pour les envoyer à Conakry, même si vous faites ça. Hey, le peuple affamé, c'est le mois de Ramadan qui est là. Avant le coup d'État, le sac de riz, 200 et quelques, nous sommes à 340 000. Le kilo du sucre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez apporté? Le président Fakonde, on a connu ici Covid. On a connu Covid. La Guinée, c'est-à-dire Ebola d'abord. La Guinée coupée du reste du monde. Mais notre économie. Hein? Vous pouvez taper ici. Croissance économique. Hein? Sur Google. 16, 17, 18. Avant même le coup d'État, l'économie guinéenne se portait bien. Grâce au président Fakonde. Mais vous les bandits, regardez les statistiques aujourd'hui, tout est rouge. 34 000 milliards de déficit. Vous avez fait quoi avec cet argent? Des mamayas tournés bidons, des milliards et des milliards, tournés bidons. Regardez, c'est tout ce qu'ils savent faire. Comment on peut prendre l'argent, ministère de l'éducation, que pour les examens, il faut mettre des caméras dans les salles de classe. Chez moi, à Damaroti, il y a courant là-bas. Si ce n'est pas des groupes, il y a l'électricité là-bas, pour ne pas parler des autres villages. Vous allez mettre des caméras. Vous pensez que c'est cadeau, c'est comme ça? Vous avez quelle centrale aujourd'hui où vous allez pouvoir regarder tout ça? Même ici aux États-Unis, vous n'allez pas voir ça. Mais de la démagogie, tout ça pour dépenser des milliards, ils vont se faire de l'argent pour faire des surfacturations. Quelle question de caméra? Hein? Le pays où il n'y a même pas assez d'internet. Vous allez venir nous dire, ah non, et tu entends des démagogues parler de ça. Vous êtes incapable de payer les enseignants contractuels. Vous allez parler de quelle caméra? Vous êtes incapable aujourd'hui de doter la Guinée des meilleurs enseignants. Vous allez venir nous parler ici des caméras. Caméra de quoi? Caméra de quoi? Ça change quoi? Il y a des écoles aujourd'hui vides, il n'y a pas d'enseignants. Au lieu de remédier à ça, non, que c'est des caméras. Des bandits réunis, qu'on va vous aimer. Non, à mon cabo. Non, les militaires guinéens, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec les militaires. Mais franchement parlant, ces narcos-là, vous devez tout faire pour faire partie de ces narcos. Mettez les cœurs. Ils ont peur, c'est pourquoi je ne donne pas de rendez-vous pour faire mes vidéos. Parce que chaque fois que je donne, oui, ils appellent les bandits là, les hackers là, attaquer nos pages pour perturber, pour ne pas que les gens voient nos directs. Pour ne pas que les gens voient. Mais je vous ai dit, vous vous fatiguez. Moi, quand je finis mes directs, il y aura des vidéos copier-coller, il y aura mes vidéos sur YouTube. Je vous ai dit, je n'ai pas de compte YouTube. C'est vous vous fatiguez. Moi, mes messages sont reçus 5 sur 5. 5 sur 5. Voilà. Vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Les gens que vous payez là, c'est vous qui dépensez de l'argent. Hein? Ils sont venus que les véhicules des anciens dignitaires. Oui, on va faire aux enchères. Ça dit, tellement que Mamadi Doumbouya
Ça dit, quand je le regarde, un vrai démagogue, un faux type, il pense que c'est la démagogie qui avance un pays. Et ceux-mêmes qui l'entourent, ils sont trois fois ignorants que Mamadi. Ça dit, toi-même, tu ne sais pas que celui qui est devant toi, qu'il est ignorant. Toi-même, tu ne sais pas que tu es encore ignorant. Et vous êtes là à suivre Mamadi. Regardez la situation de notre pays. Les dadis ont fait leur transition ici. Ils n'ont pas mis les gens à la retraite. Ils avaient déjà fait la liste de ceux qui devaient partir à la retraite. Mais ils ont continué à payer. Il y avait la confiance lorsque les Sékouba étaient là. Parce qu'il y avait un premier ministre de consensus. Les partenaires avaient confiance à la Guinée. Mais vous, les bandits, même un président élu, ce qui ne fait pas, c'est ce que vous faites. Vous pensez que les partenaires, là, ils vont avoir pitié de notre pays? Surtout des narcos comme vous. Vous êtes déjà connus par le monde entier. Votre métier est déjà connu. Vous pensez que les saisies de 3 tonnes de cocaïne, que ce n'est pas partagé dans les ambassades? C'est partagé. C'est connu qu'en Guinée aujourd'hui, on n'a que des narcos, les 4 personnes. Je vous ai dit, mon problème aujourd'hui, l'armée, c'est 4 personnes. Idi Amin, Bala, Amara, Laïmadi. Le reste des militaires, là, beaucoup ont été trompés ici. Surtout les officiers malinqués. Les jeunes forestiers aujourd'hui, regardez. Je vous avais dit dès le départ, vous ne connaissez pas Mamadi Doumbouya. Depuis l'histoire de nos parents, là, Dadis, les Tchogoro, les Pivi et consorts. Aujourd'hui, vous avez vu tous les jeunes forestiers qui étaient autour de lui au départ. Il vous a tous éloignés. Vous avez cru que le gars, c'est quoi? Moi, je vous avais dit, mais vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, ce n'est pas les mercenaires, même des blancs mercenaires aujourd'hui, autour de lui. Vous ne connaissez pas Mamadi Doumbouya. Il n'a qu'à douter de vous. Il finit avec vous comme il a fini avec les Djané, les Kouyaté, les Souma et tant d'autres. Mais on vous parle, vous pensez que non, on est contre la Guinée. On ne veut pas ces bandits-là. Tant que ces vauriens sont là. Non. Mamadi est en train de construire. Jour et nuit. Des chantiers. Sans arrêt. Amara, pareil. Les Djiba, tous ces gens-là. Et ils sont là tout en à nous parler de corruption, personnalisation. Bon, allez-y dans des ministères. Ils parlaient de personnalisation. C'est-à-dire, non, Mamadi Lako, à Moneka Bonkwa, c'est énervant. Personnalisation, personnalisation. Allez-y dans des ministères aujourd'hui. Madame la ministre a sa petite soeur derrière lui. Madame la ministre a son cousin, sa cousine à côté. Madame la ministre, il y a des ministères aujourd'hui. C'est rempli que... c'est en ses fonds quoi, ils le font. C'est en ses fonds, entre familles. Et pourtant, c'est lui qui était là, en train de tenir des discours, des beaux discours. Non, personnalisation de la chose publique. Bakary vient à la Caisse nationale de sécurité sociale. Tous les directeurs qui étaient là-bas, calés, ils ne sont même pas accusés pour corruption, rien. Il les enlève tous, il met ses amis. Caisse nationale. Maintenant, l'argent sort. Personne ne sait comment l'argent, où l'argent part. Des milliards et des milliards. L'argent des travailleurs qu'on doit prendre pour aider les retraités, pour soigner les retraités. Des milliards. On avait vu la Bakary ici. Diallo nous dire que Bakary a fait des recettes de 40 milliards. On dirait que c'est une banque. C'est l'argent. Il ne fournit rien du tout. C'est le prélèvement sur le salaire des gens. Si tu refuses de dépenser, oui, l'argent va être là. Mais actuellement, là, après avoir mis tous ses amis, hein, demandez maintenant combien il fait comme recette. À Bakary Diallo, allez-y demander. Allez-y demander à Bakary Sylla. De la Caisse nationale. C'est combien sa recette aujourd'hui? Le jeune qu'il a enlevé là-bas a fait 38 milliards, non, 36 à 38 milliards. Il a dit non, que le gars n'a rien fait. Il a enlevé. Mais il a mis ses amis, des gens qui ramassaient des ordures même ici au Canada, dans les hôpitaux. Il a nommé des gens là comme médecins-chefs là-bas. Parce que les gens sont des imbéciles, quoi. Et quand tu entends ces faux diasporas là, ces vauriens là, ces vagabonds, c'est par amour que je suis rentré. Tu vas laisser un salaire de 8 000 ici pour aller pour un salaire de combien? De 20 millions? De 30 millions? Quelqu'un, tu es payé ici à 8 000.
Et tu entends ces gens-là dire, non, moi je t'ai payé à 8 000, à 10 000, mais par patriotisme. Tous des menteurs, tous des voleurs, un réseau de voleurs, caisse nationale. Même il est incapable aujourd'hui d'améliorer les conditions de vie des travailleurs de la caisse. Des voleurs réunis comme ça. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Vous voulez qu'on laisse ces vauriens-là? Dites-nous quel changement ils ont apporté depuis le 5 septembre. Le déficit à la Banque centrale, c'était connu. Mais aujourd'hui, nous sommes à 34 000 milliards. Vous avez vu, quand ils sont venus, il y avait de l'argent. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et ils n'ont pas parlé de ça. Mais aujourd'hui, maintenant, vous allez entendre ça dans ces deux jours-là. Et ils sont coincés, ils sont pris jusqu'au cou. Ils sont pris jusqu'au cou. Il n'y a plus rien. Rien. Ils ont augmenté les tarifs douaniers. L'impôt partout. Ça fait que les commerçants, ceux-mêmes qui alimentent les caisses de l'État, sont en train de fuir. Les opérateurs économiques, beaucoup ont quitté la Guinée aujourd'hui par la faute de ces incompétents, de ces bandits, de ces vauriens. Quelqu'un qui est assis, tu le prends, tu le mets directeur d'un département. Il n'a pas d'expérience. Il ne sait même pas comment ça se passe. Regardez le port de Conakry aujourd'hui. D'abord, l'État perd, les dockers qui étaient là-bas, le nombre de travailleurs, de banabana, du port jusque dans les marchés. Les banabana qui venaient à Madina se faire 50 000, 100 000 en déchargeant les conteneurs. Tous ces boulots-là, c'est terminé. Un commerçant qui avait l'habitude d'envoyer 3 conteneurs. Mais aujourd'hui, regardez, les commerçants sierra-léonais venaient débarquer leurs marchandises à Conakry, envoyés en Sierra Leone. Commerçants libériens, les hommes d'affaires, débarquaient au port de Conakry. Mais le port de Conakry est devenu cher aujourd'hui. Les Sierra Leonais, les marchandises passent par la Sierra Leone, par le Libéria. Si on vous dit encore, des Guinéens envoient leurs marchandises aujourd'hui par la Sierra Leone et le Libéria. Mais qui perd? C'est vous rien. On vient, on manque de respect au général, des gens comme les généraux Toumani Touré et Toumani Sangaré. Au lieu de se servir de leur expérience, on vient par des recyclages, comme des maudits, comme si eux sont tombés du ciel, comme si ceux-ci-là, ce ne sont pas des Guinéens. C'est-à-dire des futilités, se flanquer, nous dire, pas de recyclage. Pourtant, c'est des tonneaux vides. Ils n'ont rien dans la tête. Bande de vauriens. Et on voyait des journalistes encourager ces bêtises. Un vaurien comme Amara, des vauriens comme les Bala, des vauriens comme l'Aïmadi, des vauriens comme les Djiba, se flanquer, traiter des gens, des docteurs, des professeurs, qui n'ont pas de recyclage. Une insulte. Regardez aux États-Unis ici. C'est-à-dire qu'on est là à encourager des bêtises des vauriens. Les conséquences sont là, directes, une année et demie. 34 000 milliards de déficit actuellement. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent même pas. Ils n'ont pas de partenaire. Il n'y a pas de confiance. Personne ne va envoyer quoi que ce soit à la Guinée. Personne ne va prêter la Guinée. Ils sont fauchés avec des sorties, des dépenses inutiles. Vous les voyez, ils sortent. Au temps du président Alpha Condé, c'était comme ça. Des promenades de Ousmane Gawal. Vous pensez que c'est avec des fonds propres? C'est toujours c'est l'État qui dépense. Vous vous imaginez quand ces gens-là, ils font première classe, ils viennent. Combien qui sont sortis? Il y a combien de membres du gouvernement ici actuellement? Ils viennent juste s'asseoir aux Nations Unies pour regarder les gens. Ils ne prennent pas la parole. Ils ne gagnent rien dedans. Oh, on est invité. Oui. Vous êtes dans le cercle des Nations Unies. Vous allez venir. Mais qui dépense? C'est vous-même. Car c'est les Nations Unies qui payent vos billets. Car c'est les Nations Unies qui payent vos billets. Hey, les Guinéens, on doit se réveiller. Ces bandits-là, moi je vous dis, hein, ce n'est même plus question du président Alpha Condé. On doit se battre pour enlever ces vauriens à la tête de la Guinée. Tant que ces bandits-là ne dégagent pas, la Guinée n'ira nulle part. Je vous dis, ce sont des bandits, les 4 personnes là. Moi, mon problème, c'est les 4. Mon problème en Guinée aujourd'hui, c'est les 4. Là, il m'a dit, Bala, Amara, Idi Amin, les 4 personnes là. Beaucoup de gens de l'armée ont été manipulés, même les enfants qu'ils manipulent. C'est les 4 personnes qu'on doit dégager. L'armée, vous laissez ces 4 personnes. Déjà, vos conditions de vie, c'est le mois de Ramadan. On dit, c'est votre coup d'État. Qu'est-ce que vous avez eu? Cessez. Cessez. Omusese sutafutore.
et na obore ma faga faga fi et na obore ma soufi ou dore bandina saura bafi le gros traite Namouri. Tu es flanqué au Maroc aujourd'hui. Il est diamfanté. Il y a des gens qui disent que eux ils prient et puis ils sont là à soutenir la trahison. Tu as Altesla na lagne aldi wala soroy. C'est pas Namouri qui a fait le président Alpha Condé du président Alpha Condé. C'est le président Alpha Condé, il s'est battu. Les gens ont eu confiance en lui. Il a nommé, c'est pas Namouri qui a nommé le président Alpha Condé. Donc c'est un traître d'enfanté. Aujourd'hui, Doumbouya n'a pas trompé. Comme un chef d'état-major, un simple commandant d'unité, toi tu doubles ni Dankadéate. Tu as cru que tu as trahi le président Alpha Condé. Dieu dit non, attends, je vais te montrer. C'est pourquoi je vous ai dit, quand un peuple est ingrat envers, envers Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne un président, il fait tout. Il n'achète pas les montres de 400 000. Il ne va pas acheter. C'est-à-dire prendre des avions même, pas dans les caisses de l'État pour transporter ses marchandises de drogue. On vient, on applaudit pour ce vaurien. Ah ouais, c'est ça. Conséquence directe, c'est ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Hélène Namouri, tu es au Maroc. La dernière fois, Doumbouya envoie sa maman. Même toi, on ne t'a même pas appelé. Eh Namouri, il t'a braqué Kounotie. La dernière fois, la maman de Doumbouya est partie en visite au Maroc. Toi, on ne t'a même pas appelé. Il m'a été Moneli. Tellement qu'il n'a même pas confiance en toi. Lui, il est traître. Mais toi, tu es traître pro max. Il sait que toi, tu es traître. Même sa maman, il ne veut même pas, pour ne pas que non, tu fasses quelque chose à sa maman. Il envoie sa maman au Maroc. Toi, tu entends seulement, mais tu t'approches même pas. Tu ne peux même pas t'approcher de sa maman. Et Maïta Keni Moneli. Hein? Il Kurusaka, président Alpha Condé Kurusaka. 8 ans, tu étais le chef d'état-major adjoint avant la mort de Khalifa Diallo. Chef d'état-major adjoint. On te prend, on te fait chef d'état-major. Pendant combien d'années? Chef d'état-major adjoint et chef d'état-major. Ça dit combien d'années? Toi, tu es toujours dans le beurre. Budget de carburant, plus de 6 et quelques milliards. Ça dit quand je vois ces vauriens là nous parler de Dr. Diané, ministre de la Défense. Il y a les attendants de l'armée, des gens qui géraient des milliards, pas le ministre. Le ministre, il a un programme. Voici ce qu'on veut. Il l'établit. Ce n'est pas le ministre qui gère. Il y a des trésoriers dans l'armée. Il y a des départements, ceux qui géraient. Mais c'est Dr. Diané. Parce que oui, quand on dit RPG, Dr. Diané. Oui, quand on dit des fidèles du président Alpha Condé, Dr. Diané. C'est Dr. Diané qu'on prend. Je vous dis votre hypocrisie là. Ne jouez pas. Sinon, Moustapha Naïté est là-bas. C'est l'ami de Guirassy. Les sponsors, les soutiens du CNRD. Moustapha Naïté, c'est un grand, non? Mais pourquoi on ne parle pas d'eux? Oui, tout simplement, quand tu es ami avec eux, tu n'as pas de problème. C'est les politiques qu'on attaque. C'est ça la vérité. Rien d'autre que ça. Il y a des gens qui géraient des finances. Eux là, on ne les a pas touchés. Parce que c'était les amis de Doumbouya. C'était les amis de Ambara. On les a dit sortez. Mais c'est... Docteur Kassori, s'il voulait fuir, il se reprochait de quelque chose. Il n'était pas loin. Chez lui et l'ambassade, ce n'était pas loin. Il pouvait sortir, il se déplaçait, il pouvait aller à l'ambassade s'il se reprochait de quelque chose. Damaro, pareil. Bon, regardez encore ces mensonges de Ali Touré. Quand la CEDEAO lui demande, il va dire que nos cadres n'ont pas payé de caution. Combien ont payé des cautions que ce farfelu, ce vaurien de Ali Touré, dont j'ai parlé ici, regardez. Je crois que, attendez, ce vaurien de Ali Touré, je vais vous montrer, j'ai assez d'images, mais je vais vous montrer un peu ce qu'il avait fait, la fille qui avait détourné, la fille qui a détourné ses 300 000, il a donné 340 000, la fille a pris, elle a pris, voilà, ça c'est quelques audios de lui et de la fille. C'est Ali Touré ça. Voilà. Vous avez vu? C'était le montant 340. La fille, elle était à la banque. Voilà. Elle était à la banque ce jour-là.
Elle est allée chercher l'argent ce jour-là. Pour vous dire combien de fois le type est malhonnête, attendez, je vais, à chaque fois je vous dis, je vais vous montrer le document qu'elle a quand la fille a refusé. Voilà. D'ailleurs, ça c'est la fille, ça c'est l'une des voitures. Quand elle a pris l'argent, voici l'une des voitures qu'elle a achetées quand elle arrivait en Europe. Voilà. La fille, j'ai dit à la fille, si tu donnes 5 francs à Ali, c'est que toi tu es maudite. Tu es maudite. C'est ces bandits-là qui vont venir s'asseoir, nous parler. Hein? Et même quand elle était en direct avec la fille, voici l'une preuve qui est là même. Poro, vous pensez que ceux que vous êtes, les gens que vous trompez dans ce pays-là, moi je vous ai dit, j'ai tellement de dossiers sur vous. Voilà. C'était à cause de la fille, mais elle est déjà, voilà. Voici, vous avez vu? Voici le document qu'elle a envoyé à l'aéroport. Vous voyez? C'est la photo de la fille que Ali Touré, il était couché avec la fille la nuit. L'un des ministres a appelé. L'un des ministres a appelé à 1 h du matin. Ali Touré, Langoué, tellement que Langoué, Amantonema, Langoué Yakoui. Il dit à la fille le matin de donner son argent parce que Nanou ministre Betenara. Donc, quand il a commencé à menacer la fille maintenant, c'est là qu'elle m'a contacté. Et moi, j'ai tout fait. Nkobira Samba, Ama, Purkasiga, pays limitrophe, Aramine. J'ai dit, il ne faut même pas aller chercher parce qu'elle avait ouvert un compte à devises. Mais actuellement, ne vous inquiétez même pas. Elle a tout vidé. Elle s'est retournée encore en cachette. Elle a tout pris pour sortir. Donc, comme il s'est fallu, Moutambe, autant bandit mounieti. Hein? Vous avez vu? C'est ce qu'elle avait envoyé. Voilà. Elle a deux passeports. Voici le passeport. Bon, je ne vais pas trop. Voilà. Trop. Voilà. En quelque sorte, voilà le passeport guinéen que Ali, lui-même, il payait le billet. Il logeait la fille dans les hôtels. Hein? Donc, il n'a pas fallu Moutambe. Au moins, on m'a cessé de faire des moutambes, autant bandits d'euros ma langue. On m'a cessé de faire des moutambes, mounieti. Tu me diras 300 000 euros. Ah, Rani, pec. 300 000. Amant, tu me dis menacé. Il envoie le nom de la fille à l'aéroport, que si, au directeur, hein, de l'aéroport, que si la fille arrive, de la saisir. La fille aussi sort avec un autre ministre. Il demande au ministre de demander au directeur. Et Birimahortim, hein, l'autre a demandé, on dit c'est le dernier nom. Mais le directeur, ce n'est pas sa faute. Parce que c'est la CRIEF. Ils vont croire que c'est une fille qui travaillait dans l'administration. Pourtant, elle est là en Europe. Ali envoie de l'argent à Rassi, Sara, des trucs, des bandits comme ça. Autant faire fort. Autant. Hé, Allah Mouma Lima. Nous, Allah, on a y enfant dans le Ora yera bimane la Guinée, kei birin yawore. Nana renta moi, ora karamou mouma garouma, ora cesse mouma garouma. Parce que Nara bafé, mounou, Allah nantagi. Moum réattaque ma ka preuve mounira. Voilà. Je n'attaque personne si je n'ai pas de preuve. Et je n'ai peur de personne en plus. Autant bandits, des voleurs comme ça. C'est la fille même qui a été témoin à Bangui Nagasara, Europe. Tous ces bandits-là, ils font de l'arnaque aux anciens dignitaires. Moi, c'est pourquoi je dis, hein, l'ancien dignitaire qui paye 5 francs, qui a peur d'aller en prison, c'est bien fait pour vous. Parce que autant, on dirait que le pays-là, même au Mounienati, des bandits sont en train de voler. Vous vous prenez, c'est-à-dire, vous avez peur. Vous vendez vos maisons pour aller donner des cautions en cachette à ces bandits-là pour ne pas que Otanga se gagne. Vous pensez que ces gens-là vont rester? Quand la Guinée appartient à ces voleurs-là, au lieu de vendre vos biens, donnez ça à vos enfants. Est-ce que vous pensez si vous allez revenir encore aux affaires où il était fini miskine pour des bandits qui viennent, ils sont en train d'arnaquer le peuple? Pourquoi vous allez accepter cela? Ces bandits-là envoient des milliers de dollars à leur famille. Ali Touré à Colomb. À Colomb, Narazo Colomb, tous ces cadres-là, par la Belgique, marché noir, Conakry, et dollars, nous, héros, ça, ils vont retirer plus de 40, 50 000 en Europe là-bas, autant bien Mouma à Colomb, comme en Amérique ici, dit bandit de Roma langue, autant bien Alaouma Limane, Orasaraka. Moi, c'est à cause de certaines personnes, je ne veux pas trop exposer. Moi, même rien de ça fait problème, tout, Nanantouara.
Sinon, on va se craindre dans ta nirabe. On colo. Sinon, nous préoma, nous rayerabimane. Des bandits comme ça là. Parce que le peuple, on vous allez endormir le peuple. Mais c'est moi, on a mon compte. Pourquoi vous êtes contre nous? Pourquoi vous êtes contre nos pages? Hein? Non, Ali Touré, il va ça. Les gens de la CDAO demandent de libérer les gens que les gens n'ont pas payé de caution. Combien de fois les gens ont voulu vraiment payer de caution? Wallah, vous allez tous avoir honte ici. Moi, je vous dis, je ne dis pas quelqu'un d'autre. Comment des gens, on les demande, présentez-vous bien. Où est le mal dans ça? Deux ministres de la justice, ils les ont tous mis à la porte. La dame a demandé, ah, si vraiment on veut juger les gens. Parce que Guinédi a été colon. Celle qui était ministre de la justice. A un cabinet naï, elle gagne sa vie, elle sait comment gagner sa vie. C'est pourquoi elle a dit, Biringa Arabien Massé. Mais des Amara, des Vouriens et femmes, c'est Sémé Ira. C'est Sémé Ira. Il ne peut pas. Mouyentier. On vous demande, quand tu veux juger les gens là, il faut montrer. Parce que ce pays-là ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre bien. Avant de dire à quelqu'un Mouyentier, où il est rentré, il a volé. Toi-même, en rentrant, tu as combien avant de rentrer? Ça va rester là. Nous, Allah, on va se réveiller un beau matin. Autant a fait tamaragno. Parce que Allah yati moutima. Injustice tant. Vous êtes en train de humilier ces gens-là. Nous, Allah malouma obé. On a tout. Vous savez, Mamadi Doumbouya, Marafala obé, c'est un dougoula. Un vrai dougoula. Parce que lui, il est téléguidé. Nana fala obeto. Idi Amin nana téléguidé fait. Mais à Colomb, fait Nagara. Sinon, quand il est venu les premiers jours, quand Mamadi Doumbouya est venu, il a arrêté quelqu'un. Il a insulté quelqu'un. D'abord, les médias, ils l'ont induit en erreur. Maintenant, ils l'ont poussé à casser les maisons des gens. Toi, tu viens pour une transition. Personne n'est élu. Si tu ne cherches pas à plaire aux gens, tu ne vas pas chercher à faire des bêtises comme tu es en train de le faire. Mais ils ont fait tout ça pour le rendre impopulaire. Et c'est bien fait pour lui. C'est le prix aussi de la trahison. Vous cherchez à convaincre les gens. Vous payez les gens aujourd'hui pour ne pas qu'il y ait manifestation. Les gens sont fatigués de vous, Mamadi. Dans le cas. Même si c'est blanc, toi, tu ne vas pas voir. Même si c'est bon, là, tu ne vas pas voir, Mamadi. Aujourd'hui, vous êtes en train d'accumuler des milliards. Heureusement que vous-même, vous avez mis la CRIEF là. Vous n'êtes pas invisible. Ces maisons-là, mais seulement que vous êtes en train d'acheter en Côte d'Ivoire un peu partout. Même ça, là, l'État guinéen va saisir. Nous savions où ça se trouve. Même si vous mettez au nom de d'autres Guinéens, nous allons saisir ces juridictions-là. Le Guinéen, là, il fait quoi là-bas? Et vous allez voir, c'est pendant votre transition-là que ces maisons-là ont été achetées. Combien de véhicules volés en Guinée vous avez envoyés en Côte d'Ivoire? Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ce réseau? Moi, je vous ai dit. C'est-à-dire que je ne cherche même pas l'information. Les Guinéens, quand ils voient là, ils vont me dire. Et c'est ça. Est-ce que moi, je suis journaliste pour chercher? Ou bien j'ai besoin d'infos? Je vous ai dit, quand les Guinéens voient là, ils vont donner. Donc, c'est pourquoi, qu'est-ce que vous pouvez démentir de moi ici, quand je donne l'info? Des bandits réunis comme ça, des narcos. Cambré Balou, ma fenêtre indé. Voilà, Lierako. Vous pensez que le pouvoir, c'était facile? On va venir gros, grand bête. Aujourd'hui, là, vous avez senti, non? Hein? Vous avez bien senti maintenant que Dja. Ah non, le président Alpha Condé, c'était de la magie. Hein? Non, le président Alpha Condé était fort. Ebola, la Guinée coupée du reste du monde, mais l'économie guinéenne, pac. Crise politique, mais l'économie guinéenne se porte bien, pac. Covid, ça dit 6 mois, l'eau cadeau, l'électricité cadeau, transport public cadeau 6 mois. Le seul gouvernement organisait des élections avec des fonds propres, une fierté pour un pays africain. Vous tendez la main jusqu'à présent. Vous avez gelé le compte des anciens dignitaires. Vous avez mis des gens en prison, mais vous êtes incapable d'organiser des élections avec des fonds propres. Vous êtes incapable de recruter
les travailleurs à la fonction publique. Vous, vous avez fait quoi de mieux que le président Fakonde, à part mentir, à part faire de la démagogie? Vous, vous aimez la Guinée mieux que le président Fakonde? Quand le président Fakonde s'arrêtait devant le président ivoirien pour dire « coupons le cordon ombilical », vous, aujourd'hui, l'ambassadeur de France n'a pas d'autre lieu de récréation que le palais Mohamed V, qui insulte le président Fakonde. Vous pensez que vous, vous pouvez faire mieux que ces gens? Vous prenez des experts français pour vendre nos mines. Vous pensez que c'est ces gens-là qui vont défendre l'intérêt de la Guinée? Bande de vauriens. Aujourd'hui, regardez le budget du ministère, le budget. Un président. Non mais la Guinée t'a qu'une monnaie. Le président Fakonde, avec tous les contrats qu'il a cherchés pour la Guinée, les voyages. Mais le bandit ne voyage pas. Mais regardez. 725 milliards, le budget du bandit du narco, communication DCI, prendre des mercenaires, des légionnaires pour sa garde, l'armée guinéenne, vous, vous êtes là-bas. 725 milliards, le budget de Mamadi. Et transition, tu n'es pas le président élu, mais toi, tu as un budget de 725. Le président Fakonde, président élu. Lui, c'était 600 et quelques. 660 et quelques. Mais le bandit, 725, transition. Transition, hein. Et on va rester dans ça, dans la démagogie. Bon, la famille, restons mobilisés. Si on ne se lève pas, la Guinée est gâtée. Nous savions tous que Mamadi, c'est un tonneau vide. C'est seulement Rougni. C'est seulement Rougni. À cause de sa brutalité, même dans la Légion, pour indiscipline, ils l'ont chassé. Pour indiscipline dans la Légion, à grade Mounou Sotor, il a eu quoi comme grade? Grâce au président Fakonde, on nettoie le bandit là, on la voit faire une formation d'officier. C'est ce bandit, le prix, la récompense du président Fakonde, c'est cette trahison pour mettre ses amis narcos aujourd'hui aux affaires, les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya. Les Ahmed Durak, c'est-à-dire c'est une insulte des bandits qui sont recherchés ici aux États-Unis. Des narcos qui sont recherchés ici aux États-Unis. C'est eux que nous voyons aujourd'hui à la présidence, à visage découvert. Et vous voulez que la Guinée aille dans la démagogie des narcos comme les Amara. Côté fort. Donc, mobilisation, Inch'Allah. Mobilisation, Inch'Allah. Le vin, ça va se savoir. Vous allez sentir le peuple. Non, Sali, Sali, le déficit actuellement, je vous dis, c'est 34 000 milliards. C'est-à-dire, vous prenez, même l'ancien compté, vous prenez Dadis, vous prenez le temps du président Fakonde, nous n'avons jamais connu de tel déficit. 34 000 milliards. On va payer ça comment? 34 000 milliards. Lorsque Idi Amin donne des contrats de gré à gré à KPC, 200 millions pour construire des camps, et on leur donne des garanties de l'État, il est libre d'aller dans les banques pour retirer de l'argent comme ils veulent, pour endetter l'État guinéen en un temps record, une année et demie. Des factures qui n'ont jamais existé, qu'on a au temps du CNDD. Le temps du gouvernement Alpha Condé, les gens ne sont pas là. Ils envoient des factures que l'État doit à ces gens. Ces véhicules, il n'y a même pas d'immatriculation. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Les VIN. Les VIN number, il n'y en a même pas. Les Djourdé, les proches de Doumbouya, entre eux, ils retirent des milliards au compte de l'État. Que ceci, c'était des businessmen. L'État doit à ces gens 50 milliards, 40 milliards, ils sortent l'argent comme ils veulent. Ils endettent. Mais allons-y. Vous avez saisi les comptes des anciens dignitaires. Vous avez menti ici que d'autres ont 1000 milliards. Et avec tout cet argent-là, vous avez pu faire quoi pour les Guinéens? Quand vous êtes des tonneaux vides, des vauriens. Vous avez saisi leurs comptes. Prenez. Mais vous avez pu faire quoi? Bande de vauriens. Les autres ont travaillé leur tête pour créer Agnès, Anafi, créer des emplois. Vous aussi, ce n'est pas supprimé.
des vauriens réunis seulement. Cessez la haine qu'ils ont contre les politiques. Des tonneaux vides, Cambrimba. Et vous pensez qu'on va s'asseoir, vous laisser faire ce que vous voulez? Vous êtes tombé du ciel? Vous avez combattu le président Fakonde, vous serez combattu aussi. C'est comme ça. De la manière que vous avez combattu le président Fakonde, c'est comme ça que vous serez combattu. Bande de vauriens que vous êtes, des tonneaux vides. Ok, toi le maudit là, toi tiens, attends, je vais te bannir ici. Ici c'est ma page. Moi je ne vais pas insulter. Vous avez vu votre frère, insultologue, au Mali. Et moi, Sani Souafanira. Et toi, Sani Gira, et Loupé René. Moi, je n'insulte pas. Moi, je n'insulte pas. J'assume mes propos. Charles Wright n'a pas dit que lui peut nous faire rentrer. Pourquoi jusqu'à présent? Et il va s'asseoir dans un bar café pour dire non, que les gens là, si on lançait un mandat tout de suite là, tout le monde a les papiers ici. Moi, vous n'avez pas vu ma photo avec le vaurien, Mamadi Doumbouya, pendant les campagnes. Voilà. Donc, Charles Wright, il faut porter plainte contre nous. Tu es venu aux États-Unis, on t'a cherché, tu as fui, tu t'es caché. Tu devais aller à la mosquée Bascott de Queens. Tu as fui, tu es allé à DC, à Washington DC. Tu n'as pas osé nous voir. Il faut porter plainte contre nous pour ce que nous dénonçons, que Mamadi Doumbouya est un narco, un bandit, un gangster, un traître. Voilà. Il faut porter plainte contre nous. Que toi, Charles Wright, tu n'es qu'un fanfaron, que moi je le dis. Voilà, il faut porter plainte. C'est Mamadi Doumbouya qui est là. Ça, c'était, voilà, en 2020. C'est Mamadi Doumbouya. Je suis avec Mamadi Doumbouya. Nous ne sommes pas des sans-papiers. On travaille, on paye l'impôt. Donc, si tu veux, là, il faut porter plainte. Si tu sais que tu es homme, là, tu sais que ce pouvoir-là, vous êtes légal, là, il faut porter plainte. Portez plainte. Nous, on ne va pas vous insulter, mais on va vous critiquer comme on veut. Si vous êtes homme, là, portez plainte. Ici, c'est un pays de loi. À part venir gâter ma voiture ou bien payer des gens pour dire, menacer Damaro, effrayer. C'est-à-dire, tant que vous m'insultez, c'est-à-dire, vos gars là insultent, ça me donne de la motivation. Et je sens que c'est vous qui dites à ces gens, il faut l'insulter. Un jour, là, ça ne va pas me faire taire. Vos menaces, là, ça ne va pas me faire taire. Vous êtes venu casser la porte, ça ne va pas. Ça ne va... Si vous voulez, là, tuer moi-même. Et ça aussi, le peuple de Guinée, ça aussi, ça va rester sur votre conscience. Voilà, le peuple dira, voilà, Damaro était opposé à ces gens. Il critiquait ces gens-là. Donc, je ne suis pas mort fou. Je suis mort en dénonçant. C'est mourir en martyr aussi. Voilà, comme les Norbert Zongo. Donc, si vous pensez que je vais avoir peur. Vous allez faire tout ça là. Je vais venir à faire là où ça va là. Je vais arrêter. Je le fais par conviction. Je ne suis pas payé. Voilà. Donc vous ne pouvez pas nous intimider. Vous ne pouvez pas nous intimider. Hein? Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas nous intimider. Il faut que vous dégagez, vous les bandits là. Surtout les vauriens que, comme vous. Si c'était des militaires intelligents, depuis longtemps, la transition est terminée. Mais comme vous êtes des bandits, vous avez peur de quitter le trou que vous avez creusé là. La Krief, vous saviez que vous allez tomber dedans. Vous avez des comptes à rendre. Avant votre arrivée, au sommet, vous avez quoi? Zéro. Aujourd'hui, vous avez des chantiers partout. Vous avez des milliards partout. Vous avez fait sortir vos familles. Amara, sa famille aujourd'hui au Canada. Fonds d'entretien routier, les Moussa Moïse, les Bala, ils ont tous crâne rasé, Idi Amin, Fantagbe, quand elle vient en jet privé, en Guinée. Tout ça là, vous pensez que le reste des Guinéens, nous sommes des maudits? Vous avez vu la femme de Dr Kassori prendre jet privé? Vous avez vu Adja Djenay Kaba prendre jet privé? Ou la femme d'un cadre du gouvernement prendre jet privé? Mais aujourd'hui, Fantagbe, elle vient d'un jet privé en Guinée. Et vous voulez qu'on en parle de transparence, parler de corruption. Vous êtes plus corrompus des bandits que vous êtes. Donc, merci ma soeur, merci Sekou Amadou Diané, merci Mariama Diallo, merci à tout le monde. Voilà,
Merci à mon frère Alexandre Pivet, AKC Mandela. Merci à tout le monde. Le combat continue. Le rendez-vous le 20. Moi, c'était Slana, Altemo Maslana. Inch'Allah, le 20, ça va se savoir. Et comme je l'ai toujours dit, l'armée républicaine, restez du côté du peuple. Nous ne pouvons pas soutenir ces vauriens, ces bandits aujourd'hui. 34 000 milliards de déficit en un temps record, une année et demie. Une année et demie, c'est pourquoi ils sont en train de tout faire. Simandou, parce qu'ils sont fauchés aujourd'hui. Ils n'ont rien à part faire souffrir les Guinéens. 14 000 fonctions publiques, 11 700 dans les mines, plus de 25 000 personnes assises. Et vous voulez que l'économie se comporte comment? On ramasse des tonneaux, des vauriens. Nos élites sont assises, humiliées. Et vous voulez qu'on continue à vous soutenir, bande de vauriens?